Maintenant, il faut dire que la situation a évolué positivement, je dirais, dans la mesure où les forces de sécurité nationale, la police nationale et l'armée d'Haïti There's been some positive evolution in the situation now that the National Police, alongside the Haitian military and the international force, have been deploying joint operations in the metropolitan area. Et les premières opérations déployées et effectuées par la police nationale accompagnée des troupes kenyanes ont permis de reprendre l'hôpital général, le principal centre hospitalier de la capitale, et de consolider à l'heure actuelle tout le périmètre de cet hôpital. So, in a context where around 70% of the hospital services, healthcare services, are in operational, the joint efforts of the National Police, the military, and the Kenyan forces have allowed us to regain certain lost territories, including around the General Hospital, which is one of the main healthcare facilities in the metropolitan area. And we were able not to only to regain that territory, but to safeguard it till now. La vie commence à reprendre dans les rues de la capitale et dans le reste du pays. Dans le nord comme dans le sud, la vie a repris quasiment totalement et environ 80 000 étudiants en 9e année fondamentale ont subi les examens officiels réussis la semaine dernière. There are signs that life is regaining its normal course in many parts of the Port-au-Prince area and other major cities of Haiti. What we see is a sign of life retaking its normal course and the economic situation improving. A clear sign of that progress was the fact that 80,000 students in the metropolitan area were able to successfully attend to their end of year exams, their official exams, and that's a sign of progress and of clear direction towards a better security situation, even if the steps are very small. Parallèlement, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement mettent en place les organes de la transition pour permettre sur le plan institutionnel, nous avançons vers les élections à la fin de l'année prochaine. Meanwhile, the Transitional Council, Presidential Council, is taking all of the institutional steps needed for us to securely advance towards the electoral process. Depuis, des efforts ont été déployés. Since our new efforts, et ont permis la mise en place des différents organes de la transition, and the placement of the new transitional organ. À présent, nous sommes sur le point de constituer. We are now going to put in place le Conseil électoral provisoire. Our transitional electoral process or system qui permettra la tenue d'élections générales, which will allow us to have our general elections à la fin de l'année prochaine, de l'année 2025, at the end of next year 2025. Nous avons aussi lancé le processus de la conférence nationale. We have also launched our national process conference qui permettra de revoir la constitution, which will review the constitution, mais particulièrement de redéfinir les relations entre l'État et la société. Particularly redefinition the relationship between the state as well as the and the population. Et aussi donner le ton pour les nouvelles orientations de fonctionnement de l'État d'Haïti. As well as set the tone for the new state of operations.
Les premières avancées sont dans un contexte difficile. It is within this difficult context. Marqué particulièrement par la violence de gangs armés. Marked particularly by the gun violence. Qui occupe environ 80% du territoire de la capitale d'Haïti. That is currently taking place in the capital of Haiti. Et des villes du département de l'Artibonite. And in the other villages of the country. Dans le cadre du soutien à la transition, du soutien à Haïti pour sortir de cette situation difficile. It is our aim to remove Haiti from this situation. Nous avons aussi bénéficié. We have also benefited. Du déploiement de contingents de policiers du Kenya. We have also benefited from the deployment of police from Kenya. Nous avons profité de notre participation à cette réunion de la CARICOM. We have also benefited from the participation within this conference of CARICOM, CARICOM conference. Également pour saluer. Equally to greet. Remercier le président Ruto du Kenya. To greet and to thank the president of Kenya, Monsieur Ruto. Qui a accepté de conduire, de prendre le leadership de cette mission. Who has accepted the leadership. Et également d'autres pays tels. And equally other countries. Le Bénin. Benin. Mais aussi la Jamaïque. Jamaica. Et d'autres qui ont promis leur soutien dans le cadre de cette lutte contre les gangs. And all those who have supported the fight against the gangs. C'est donc un plaisir, mais avec beaucoup d'intérêt que nous avons participé à cette 47e réunion. It's for this reason we are very appreciative to participate in this conference. Nous avons été très touchés par l'accueil chaleureux qui nous a été offert par le gouvernement de la Grenade. We are very appreciative of the warm welcome of the government of Grenada. Et tous les chefs de gouvernement qui ont participé à cette réunion. And from all the countries that participated in this conference. Nous allons bientôt, dans quelques 10 jours, recevoir en Haïti. We will soon receive within 10 days in Haiti. Une mission des éminentes personnalités de la CARICOM. A mission from the EPG, the Obligation Persons of Group. Ce ne sera plus dans le cadre du mandat de médiation entre le gouvernement en place et des groupes d'opposition. That will participate in the discussions between the state and the opposition groups. Mais dans le cadre d'un nouveau mandat. To create the new mandate. Qui consistera particulièrement à veiller avec le Conseil de transition. That will consist of various terms of the transitional government. À la mise en place de à l'application de l'accord du 3 avril entre les parties prenantes. That will put in place the agreement from the 3rd of April. Et spécifiquement au suivi du processus électoral. Specifically the electoral process. Qui est lancé la semaine dernière avec la formation du Conseil électoral provisoire. Which would have taken place from our last discussions. Et qui va suivre son cours jusqu'au résultat des élections à la fin de l'année 2025. And will take place with the consensus with the results of any new elections. Ça donc a été un plaisir de participer à cette 47e réunion et nous repartons demain pour Haïti, renforcés dans notre conviction de tout faire pour que le pays revienne à un cycle régulier de fonctionnement. We are very appreciative once again for being a part of this conference and we are looking forward to unity and sharing for the safety and security of our people. Thank you.